informations révélées par le journal Le Soir. Ernst Auguste de Hanovre a été hospitalisé à l'issue d'un coma éthylique, résultat de ses excès au moment du mariage de son fils, Christian. Le journal raconte qu'Ernst Auguste de Hanovre et un ami ont d'abord fait un détour par Kuzeko, à 4000 mètres d'altitude où, descendus à l'hôtel Monasterio, ils auraient consommé du pisco sour, un cocktail local, à foison, alcool dans lequel ils auraient même fait macérer des feuilles de coca avant de les mâcher selon le journal. Ernst Auguste de Hanovre a fait le show en solo, un verre de mojito ou de caipirinha et bien sûr une cigarette en permanence dans les mains. Le lendemain du mariage, l'ancien compagnon de Caroline de Monaco, connu pour ses excès, n'aurait pas réussi à se réveiller et aurait été hospitalisé. En 2005, il a déjà failli succomber d'une pancréatite à cause de son alcoolisme au moment du décès du prince Rainier. L'année dernière, il s'était opposé au mariage de son fils aîné Ernst Auguste Junior et avait fini par ne pas venir à l'événement. Fatigué par ses frasques et ses excès, ses enfants lui ont ouvertement désobéi en se présentant au mariage comme une famille unie.